FGI, Fréquence Guitare Issoudun, la radio du Festival de la Guitare d'Issoudun sur 99.4. Et sur FGI, j'ai le plaisir d'accueillir notre premier guitariste aujourd'hui, auteur, compositeur aussi, Norbert Gallo. Oui, tout à fait. Bonjour à vous, Norbert. Bonjour, bonjour à tous. On ne se connaît pas encore, mais on va se découvrir rapidement, parce que tu es venu déjà avec une guitare que tu es allé découvrir, chercher, oui, au salon des luthiers qui démarre à peine. À peine. Alors à peine. Explique-nous. Elle sort de la boîte. Elle sort de la boîte. En fait, tu es allé à la maternité. J'étais à la maternité, oui, oui. Elle vient d'être accouchée à peine. Ouais. Et donc, moi, ça fait un petit moment que j'explore son site et je trouve que c'est, en plus d'être un luthier incroyable, c'est un artiste et un guitariste incroyable, c'est Julien Régnier. Voilà, il faut le citer, oui, oui, bien sûr. Voilà. Et il fait un travail extraordinaire, on sait, proche de Francis Cabrel. Hein, ah oui. On a des amis communs, donc voilà. Et donc, ça fait un moment que je viens espionner son site. Parce que c'est sexy, c'est terrible, quoi. Sexy. Ah ouais. Je l'avais pas entendu. Des guitares, mais à tomber, ouais, quoi. Là, c'est. Alors c'est JRK Lutry précisément. Exactement. Voilà. Et il est en bas, il est au rez-de-chaussée. Et vraiment, c'est de pure merveille. Et cette guitare là qui m'a laissé, c'est une double zéro. Mmh. Alors c'est du palissandre indien, c'est du sitka. Et du mahogany pour le manche. Une merveille. Une double zéro. Oui. Comme on en pour rêve. La taille. Oui, voilà. Super. Et tu l'as déjà adoptée, elle est déjà bien dans tes bras. Alors elle se sent bien. Oui. si elle te l'a dit, je le crois. Oui. Et j'aimerais tellement investir sur une de ces guitares. Et bon, c'est vrai qu'on n'en finirait jamais, parce que bon, c'est vrai que la maison et mon studio est très habité, on va dire. Tu as une sorte de cœur d'artichaut, tu sais. Je cède facilement. Oui. Monsieur est un homme facile face aux guitares. Exactement. Ben oui, on les touche un Exactement. Petit peu. Oui. Ah ouais, non, c'est une merveille. Et je reconnais. Alors, on a présenté la guitare, si on présentait Norbert aussi. Alors ouais, Norbert, il a commencé sa carrière. Qui es-tu ? Alors, moi j'ai commencé ma carrière dans les années 70, voilà, hein, 73, ouais. Pour dire, j'ai commencé à jouer là. Et puis je viens de Lyon et je suis arrivé à Paris, hébergé par Jean-Nic Top. Et j'ai commencé à faire mes premières séances. Bassiste, attends, oui, j'ai un bassiste, doute. C'est ça, oui, le bassiste de Michel Berger. Et de Magma, et de tant d'autres. Oui, à l'époque, Magma existait. Voilà, alors donc Jean-Nic s'est imposé un peu comme un mentor, on va dire. Et j'ai fait mes premières séances à l'époque avec Jean-Nic, avec Gabriel Yared. Ah oui. Avec Denis Lable, voilà. Et donc, j'ai mes premières tournées avec des vedettes. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pris des cours d'orchestration avec Julien Falck, donc qui était le même prof que Michel Curiot et que Gabriel Yared, tous ces gens-là. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé pour des artistes où je faisais des arrangements et je m'éloignais de mon amour premier qui était la guitare. Il a fallu, toujours en jouant de la guitare évidemment, mais c'était pas essentiel. Et c'est redevenu essentiel depuis, on va dire, une vingtaine d'années, où je me suis remis très sérieusement à penser qu'est-ce qui m'avait motivé à faire de la musique quand j'ai commencé. Voilà. Et tu auras trouvé cette envie qui était la même que celle. Exactement. Et qu'est-ce qui m'avait fait jouer de la musique, c'était mes influences et tout Alors ça. Allons-y. Donc, oui. Évidemment, les premières, c'est Hendrix, c'est Blind Faith avec Clapton, c'est tout ce qu'on aime, évidemment. C'est Joe Pass aussi, c'est mm-hmm. Wes Montgomery, c'est tous ces gens-là. Donc, c'est devenu petit à petit un peu plus, on va dire, moins pop. Ouais. Et je me suis orienté vers une sorte de blues contemporain, vers le jazz. Et donc, voilà, ce qui fait que je suis arrivé, j'ai fait ma carrière avec Deep Forest, avec George Groban, avec Anatole Khan Mekano, et puis je me suis consacré à moi, égoïste. Un peu d'égoïsme fait du bien aussi. Voilà, et donc là j'ai travaillé pendant, on va dire, 3-4 ans sur un album qui s'appelle All Blues, que vous avez entre les mains, mm-hmm. avec mes amis. C'est pour ça que c'est des friends, mais en fait c'est... c'est quasiment une famille. Laurent Werneret, que tout le monde connaît. Lolo, je l'ai connu chez ses parents. Voilà. Félix Aballeco,
qui est un des plus grands batteurs qui soit, qui joue avec Peter Gabriel, avec Prince, et c'est un frère avec qui on partage énormément de choses, et qui chante merveilleusement aussi. Eric Lolan, qui est grand copain de Chet Baker, qui est un merveilleux trompettiste. Il y a des gens bien dans ta famille. Ouais, c'est des vieux copains. Bah, oui, oui. Steve Sheehan, on faisait Starmania ensemble en 79. Starmania. Donc ah oui, le vrai Starmania, le premier. Starmania, le premier, voilà. Avec Balavoine et... Voilà, et oui. Voilà. Moi, j'avais peur de Nanette Workman qui s'habillait tout en cuir, ça me foutait la trouille. C'est pas vrai. Ah, oui. La trouille ou alors la trouille, une émotion c'était, oui, non. émotion aussi. Trouillarde, parce que j'étais un jeune garçon et c'était très impressionnant, cette femme. Oh, je me souviens dans la première version, alors on va pas parler de famille comme ça, on va pas faire semblant de se connaître bien. Je crois dans la première version, il n'y avait pas René Joly, l'homme qui chantait Chimène à une époque. Non, au alors tout début. À partir du moment où j'ai fait Starmania, c'était quand ils ont préparé le Palais des Congrès, et j'étais le guitariste remplaçant de Claude Angèle. Ah bah Claude Angèle qui a travaillé, oulala, qui était que j'ai vu l'année dernière, voilà. Je suis venu embrasser Claude, oui. Qui est un bon vieux copain, et Claude n'a jamais eu la chance de se casser une jambe, donc je n'ai jamais pu être sur scène. Ah, tu attendais dans l'ombre. Ah oui, exactement. Tu n'étais pas tout de même prêt à lui faire un croche-pied. Ah, qui sait. Ouais. Bon, maintenant assez parlé, tu vas jouer. Une petite chose. Ah ben tu choisis, alors là, entièrement ce que tu veux. Tu as déjà prévu ce que tu allais nous jouer? Vaguement, une oui. Chose courte que j'aime bien qu'on joue sur scène avec oui. En quartet, c'est un morceau de Joe Zawinul qu'il a écrit en 66, qu'il avait fait avec Cannonball Adderley, qui s'appelle Mercy, Mercy, Mercy. Ah, Mercy. Eh ben écoute, je ne vais pas te dire un merci avant, mais Mercy. Un petit, voilà, ça y est, c'est mieux comme ça. Petit extrait. C'est mieux, parce que le silence. Sans le Larsen, c'est bien. Bravo, non, très percussif là. Oui, c'est, oui, oui. T'es pas un petit peu batteur aussi dans la vie, dans une autre vie. J'aime les percussions. Ouais. 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 Bassiste. Évidemment. Voilà, tu aimes le ceux qui tiennent la maison là. Bah, Yannick m'a beaucoup inspiré. Faut dire. Ah oui. Je me demande si c'est pas l'un des premiers. Enfin, pour moi, mais je suis pas un spécialiste de tout. Un des premiers à slapper. Ah oui. Oui. Non. Oui. Et effectivement, c'est la première fois que j'ai vu. Il me semble. Hein, pour moi. Oui. La première fois que j'ai vu quelqu'un slapper, c'est lui. Et vraiment, c'est impressionnant parce qu'il fait des slaps qui sont pas conventionnels. Oui. On va dire. Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bassistes qui mettent la première note et qui relèvent. Oui. Et lui, il joue souvent le temps sur l'appui. Enfin, et dans exact. Starmania, c'était justement ça, c'était très marrant. Parce qu'il m'a dit, il avait une proposition pour jouer avec John McLaughlin. Il me dit, oh, écoute, je n'ai pas envie de prendre l'avion, je vais faire Starmania, ça me fera travailler la basse. Comme quoi, à quoi ça tient. Et ben, c'était monstrueux. Ah, c'était monstrueux. Oui. Voilà. Mais là, le succès de Starmania n'était pas acquis d'avance. Hein, c'est... Non. Si tu te souviens bien, puisque tu étais présent dans le milieu. Non, c'était très chaud. C'est ça, hein, oui. Ils étaient à la limite financièrement et tout en ça. En plus, oui. Et, peut-être, oui. Et ça a démarré. C'était fantastique. Fabien, j'ai revu Fabien Thibault plus récemment. Ouais. Bon, malheureusement, la voix a un peu changé. Ça a changé. Oui. Je l'ai revu il n'y a pas mais longtemps. Alors, ah bon. Ouais. Et je lui ai dit aussi,
Elle avait oublié ma tête de l'époque, évidemment, mais quand elle a recapté, elle m'a fait « Oh, mon chéri !» Ah, c'est bien son style, oui, oui. Je la reconnais bien, là. Elle est charmante. C'est quelqu'un d'adorable. Tu es présent tous les ans, ici, à Issoudun, alors finalement je vais essayer. Alors, normalement, on a parlé avec Alex, il est question que je vienne jouer avec le quartet l'année prochaine. Voilà. Ah d'accord, voilà. Ah bah, ça nous fait plaisir. Oui. Je vais même peut-être proposer à Alex de donner un masterclass, et si ça dépend du bassiste, parce que j'aime bien faire ça en binôme, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai fait un masterclass sur un concert, avant un concert, et j'avais Stéphane Castry avec moi. Stéphane Castry, c'est un bassiste extraordinaire qui a fait Cassav pendant 4 ans, qui a fait... Imani, il a fait Sinclair, voilà, bon, c'est un vrai groover. Et le bonheur, c'était de donner un masterclass avec lui. C'est-à-dire que quand par exemple, j'explique sur un choix de tonalité, pourquoi telle tonalité dans le blues va évoquer telle ou telle chose, un peu comme on choisit une tonalité, on va dire quelque chose avec, il est là derrière tout de suite. Et ça apporte. Quelque chose de terrien, et c'est fantastique. J'aime bien ça. Voilà. Norbert, donc l'actualité, c'est le CD. Alors, le CD sort bientôt. Voilà. Ah, il n'est pas. Nous, on a la primeur. Exactement. Ah, d'accord. C'est la version promo que vous avez. Ah, on est très fiers. Le CD sort bientôt. Je suis à Guitar Fest à Paris le 16 novembre, sur scène avec Julien Bitoun et avec Christophe Godin, avec Axel Bauer. Donc, au théâtre de Clichy, ça va être le 16. Très bien. Et puis, on est presque, on a une sortie officielle à ce moment-là. Et puis, la production, c'est Mystérieux Prod avec l'autre distribution qui distribue. Et c'est bientôt. Finalement, tu as bien fait d'être un poil égoïste et penser à toi, alors. Bah, absolument. Voilà. Mon Dieu, on va pas se gêner. Il y a une petite histoire pour le titre que nous allons diffuser maintenant. Oui. Et tu l'as enregistré avec. C'est le premier. Titre de l'album, on avait décidé avec Félix Sabaleco, donc le batteur qui chante merveilleusement, de créer une musique, un blues sur l'esclavage. Et lui, Camerounais, Félix, et j'avais cette image de partir du Delta, de la Casamance, et d'arriver au Delta du Mississippi. Et donc l'idée du Delta to Delta. C'était essayer d'évoquer ça. Donc avec un texte simple en anglais, on va dire, au départ. Et l'autre partie est en boulou, une des langues camerounaises que Félix chante. Et voilà, donc Laurent Werner à la basse, Félix et moi, quelques pairs que jouaient tous les deux. Et on va se quitter sur ce titre. Merci Norbert. Norbert Gallo, qui sera donc sur scène l'an prochain. Avec ici, plaisir. Chez nous. Normalement, merci si tout se passe bien, j'espère qu'on sera là aussi, nous. Oui. Ouais, on sait jamais. Avec plaisir. Ah, mais... Norbert Gallo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bon salon des luthiers, bonne visite ici au festival. Merci, à bientôt.